Ce gant de coupeur de route vient de tomber dans les filets de la police judiciaire de l'Ouest. À leur artiste, deux assassinats commis dans la région du Nord-Ouest, des kidnappings avec demande de rançon ainsi que plusieurs braquages à main armée dans les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et de la Damawa. Le dernier cas de braquage a été perpétré sur un éleveur du côté de Bafan. Ils utilisent cet arsenal pour terroriser leurs victimes. L'opération stratégique déployée le 16 mai dernier par les éléments de la police judiciaire de l'Ouest a conduit à l'interpellation du chef de gang Abdoulaye Moussa Aboya. Son exploitation permettra de mettre la main sur le reste de la bande dans leur quartier général au sommet du Mont Bapi dans l'arrondissement de Foumbot. Ils ont été interpellés à la suite d'une plainte qui a été déposée pour un cas de vol aggravé et tentative d'assassinat. Ce qu'on retient, c'est que c'est un groupe des coupeurs de route. Ils semaient la terreur du côté de Bangou, principalement dans le carrefour dit Carrefour Z, dans la localité de Bangou. Et également, ils semaient la terreur du côté du nord-ouest, dans la localité de Mbiamé. Ils ont eu à prendre deux honnêtes citoyens en otage et assassiner deux autres. Donc, ils étaient recherchés par le commandant de brigade de Mbiamé dans le département du Mbui nord-ouest. C'est ce qui fait réellement la particularité. Donc, c'est un groupe redoutable. La police est déterminée à ne laisser aucun repli à ces hors-la-loi. D'où l'appel aux populations du délégué régional de la Sûreté nationale de l'Ouest à plus de collaboration. C'est l'occasion pour nous de rassurer les populations que la police est à leur côté pour les servir, pour les protéger. Et pour cela, nous sollicitons davantage leur collaboration parce qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de sorcellerie dans ce que nous faisons. C'est grâce à la collaboration que nous arrivons à ces résultats. Les mises en cause ont été mises à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes.